Sur. Et c'est parti pour ce 27e casque de diamant. Il est balancé à droite. Oh, il est précieux. Le sac est raté. Il va devoir lancer, se débarrasser du ballon. Ça peut être bon. Peyo Dahir. Et très beau play, big play des Black Panthers. C'était mal parti, hein. C'était mal engagé. C'était... Allez, c'est snappé, ça va être une quick pass. C'est pour Jack Pinkerton, le Tyden américain. Il va aller marquer, là. C'est juste avant. Si. Allez, non, c'est donné. Le touchdown est donné. Le touchdown est accordé, effectivement. On va revoir ça en rap. Eh bien, quelle entrée en matière, hein, Brice. C'était mal embarqué à un moment pour les Black Panthers. On a cru qu'ils allaient se faire saquer en troisième tentative. Mais finalement, ils ont trouvé le moyen d'aller jusqu'au bout et d'inscrire un touchdown. Faire des dégâts sur José Tabla. S'ils veulent jouer d'autres styles de jeu. Allez, c'est encore pour Nicolas Cantor. Il va passer sa paix à l'intérieur. Oh là là, ça peut aller loin. Ça va aller jusqu'au bout. Le touchdown. Ça va aller jusqu'au bout pour Nicolas Cantor. Le touchdown de Nicolas Cantor. Et c'est le premier. Nicolas Cantor qui vient s'imposer. Peut-être, le début du match, hein. Peut-être en attendant d'autres, ouais, Nicolas Cantor qui vient respecter la logique de cette saison régulière. Hein. L'attaque, on va le revoir au ralenti. Il arrive à esquiver, il revient à l'intérieur et là, le cutback à gauche, le petit move et Pierre Nana qui est trompé. Hein. Et c'est dommage hein, parce que le numéro 42, Erwan Gentry, c'est ça, il le tenait mais il n'a pas réussi à le maintenir et l'extra point à suivre. Et ça va passer 14-0. Pour les Black Panthers. Non, c'est bien ça, sur les 32-33 yards pour les Black Panthers. Allez, ça va être une passe. Attention à la double passe parce que c'est une Jack passe Pinkerton. En arrière. Attention à la double passe. C'est catché. Et là, on va esquiver. Il va y aller jusqu'au bout. Incroyable. Le touchdown de Félix Durand sur cette passe incroyable du tight end Jack Pinkerton qui célèbre avec ses coéquipiers. Vous ne le voyez pas à l'écran. Un nouveau touchdown des Black Panthers qui continue de. Non, on voit pas la toute première passe. Le petit move. Ah oui, quel move. Hein. Et là, quel move. Il va se jeter. De Félix Durand qui a complètement effacé son défenseur tout seul comme un grand. Et il va peut-être rajouter un point. Et oui, lui-même. Non, c'est Kevin Desso qui va se charger du. Ah oui, Kevin Desso numéro 11 qui inscrit donc le 21e point de cette rencontre pour les Black Panthers. De champ arrière qui s'occupe du chrono, il me semble. Qui a donc signalé la fin de ce premier carton sur le score de 21-0. Quel premier carton hein, à sens unique. Première et 10 pour les Blue Stars. Adrien Linda qui scanne le terrain. Allez, c'est lancé, il y a du Pedro monde, Rosa. Oh, il attrape la balle. Incroyable. Pedro Rosa qui reste concentré jusqu'au bout et qui attrape ce ballon. Un touchdown inespéré pour les Blue Stars. Ouais, Adrien Linda qui est patient, qui laisse le jeu s'élever. Et la confusion là entre les deux joueurs qui ne sont pas communiqués, Timon. Ah, c'est terrible. Timon Desbiez est le numéro 3. Et Pedro Rosa qui prend le ballon. Qui en profite, hein, il en demandait pas tant. Et voilà, Gilles Vigne qui signale la fin de cette première mi-temps. Une première mi-temps intéressante, hein, on a cru qu'on allait avoir droit à un match vraiment à sens unique. Mais les Blue Stars qui ont su trouver un peu la réponse. Et on va donc repartir avec le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps qui va être donné par Kevin Desso. On a trois returners. Hein. Ouais, c'est souvent c'est hein, le cas. Kick. Et au final, ça va être un joueur qui n'a pas forcément... Ah, c'est Florian Angelini là-dessus. Il ira à la droite. Ça va être lancé. C'est capté. Très bien joué. Très très beau calme de l'Américain. Jack Pinkerton, toujours Nicolas Cantor dans le backfield. Attention, peut-être une course. Non, il roule sur la gauche cette fois-ci. Cette fois-ci, il a du temps, il a de l'espace à droite. Il va aller tout seul. Le TD. José Tabora. Qui vient inscrire un quatrième touchdown pour les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Bon. On va revoir l'action, ralenti, on voit l'accélération. Et il a laissé Alexandre Dodieu sur place là-dessus. Et il se dirige tranquillement en marchant. Tout le monde en retard, hein. C'est normal parce que voilà, c'était une passe de base. Mais d'ailleurs, non. Il y a une passe peu orthodoxe. Oh, incroyable. Ça va être un touchdown. Est-ce qu'il a gardé la balle? Oui. C'est un touchdown. Touchdown incroyable. De Pedro Rosa. C'est le deuxième pour lui. Du bout des doigts, il vient passer, franchir cette ligne blanche et inscrire le deuxième touchdown des Marseillais. On a à parcourir. Un match-up en haut de votre écran. On va sûrement aller prendre peut-être une course. Allez, on va rouler à droite cette fois-ci. Il n'y a pas de pression. Attention de l'autre côté. Ça va être un touchdown. Oui, receveur. Touchdown pour Liamoir, incroyable! Incroyable, quelle passe millimétrée! Tu ne voyais pas hein, Liam Ward qui est à la droite du cadre. Et il a tout son temps. Et là, magnifique la passe. Et en plus, impossible à défendre là-dessus. On voit bien l'écran, il arrive à ramener le ballon côté de son, de son torse. Allez, on voit l'action.
c'est sur Gabriel Bisson qui va inscrire un touchdown. Non, oui. Ah, oui, c'est l'arbitre qui lève les bras. Le touchdown de Gabriel Bisson pour la gloire. Hein. 35 à 18. Intéressant, c'est rare aussi d'avoir des défenseurs. Une interception. Il est beau, on voit partout sur le terrain. Il est également, il joue blessé. Les Black Panthers champions. De France. Il reste encore, encore 25 secondes, mais plus d'autres actions. Les Black Panthers le de titre pour eux. Ils l'ont pas volé, ils ont dominé ce match de bout en bout, 35 à 18. Il reste 12 secondes, le temps qui défile alors que les joueurs de Marseille sont en train de rendre hommage. Voilà, vous les voyez en bas à gauche de votre écran, saluer leur public formidable. Hein. Il faut vraiment le répéter encore une fois. Bravo. Le trophée, le casque de diamant. Tranquillement, c'est pour Dorian Pain. Les Black Panthers champions. Les Black Panthers champions. Ah, et malheureusement, le diamant qui en est tombé sur le trophée. Un classique, hein, les trophées qui s'abîment quand on les soulève. Ça va pas entamer la joie des joueurs d'Autonon. Les Panthères noirs, comme on dit. Champion de France 2023. Ensemble.